Si le nom de Spencer Elden ne vous dit sans doute rien, vous le connaissez forcément. Il est Agi du bébé. On voit sur la pochette de Nevermind, elle, album culte de Nirvana. Depuis, il a bien sûr grandi, et il en veut apparemment beaucoup au groupe de Kurt Cobain, puisqu'il avait de Sid, en 2021 et en janvier dernier, de Deep Poser plainte pour pédopornographie. La justice américaine a de Boutel, homme de 31 ans, estimant qu'il avait trop tardé pour porter plainte, après le New York Times. Si ses avocats ont annoncé vouloir faire appel, sa plainte a toujours été jugée trop fantaisiste pour avoir une chance de gagner quoi que ce soit devant les tribunaux, et semblait plutôt destinée à lui permettre de négocier un arrangement financier avec les membres survivants et les héritiers du groupe. Les avocats de Dave Grohl et Chris Novoselic étaient restés trop fermes, refusant de céder sur le moindre point, et affirmant notamment que Spencer Elden, artiste, avait profité de son statut de « Ibeb Nevermind » au fil des années. Ils ont ajouté « Ilen » avait jamais semblé jeune être associé à elle, album, puisque le mot « Nevermind » y est tatou sur son torse et qu'il avait posé à deux reprises pour ce labréel, album en 2006 et en 2016, à elle, occasion des 15e et 25e anniversaires de cet opus culte. Iggy, et du mal à me faire à elle, il dit de faire partie des, une image aussi emblématique sur le plan culturel. Mais cela a toujours été une chose positive et M, a ouvert des portes. J, ai 23 ans maintenant et je suis artiste, et cette histoire M, a donné elle, occasion de travailler avec Shepard Fairey pendant 5 ans, ce qui a été une expérience formidable, I, avait déclaré le jeune homme au Guardian en 2015. Spencer Elden réclamait $150 000 de dommages et intérêts.